Eh bien salut tout le monde, c'est Skoldia, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va changer des vidéos de d'habitude. Ça va encore une fois concerner le PVP, mais pas vraiment, on va dire, PVP intensif où je PVP en live devant vous. Ça va plus être une sorte de tutoriel. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous apprendre à utiliser bien votre canne à pêche, parce qu'il y a plein de potes à moi qui me demandent « Putain, mais comment tu fais pour utiliser ta canne à pêche? Moi je galère, j'arrive pas, et tout, machin et tout. » Bah justement, j'aimerais bien essayer de vous l'apprendre entre guillemets, de vous donner des conseils par rapport à ça, parce que bah, je pense que vous avez vu, enfin pour la plupart vous avez vu ma vidéo il y a 2 ou 3 mois de ça, genre Skoldia apprend la canne à pêche, et depuis bah, c'est vrai que je fais que jouer canne à pêche, et depuis bah, je pense que je me suis un petit peu amélioré par rapport à bah, écoutez, il y a 3 mois. Du coup voilà, du coup bah écoutez, je vais essayer de vous donner mon ressenti par rapport à ça et essayer de vous conseiller par rapport à, on va dire, mes techniques d'utilisation. Donc premièrement, il faut savoir que pour moi, dans l'utilisation de la canne à pêche, il faut savoir qu'il y a 5, même voire même si je vais dire, mais non, bien, en tout cas 5 critères, on va dire, d'utilisation. Premièrement, il y a bah, le critère pour ralentir l'adversaire, pour le déstabiliser, pour bloquer ses combos, pour arriver à mieux fuir, et encore pire, pour enchaîner les combos. Donc écoutez, pourquoi ralentir? Parce que, bah, tout simplement... Vous le verrez en image, mais écoutez, voilà, quand vous êtes en plein combo, machin et tout, et que l'adversaire reprend le dessus avec son combo, et qu'il fonce vers vous, tout simplement, vous lui mettez des coups de canne à pêche, ça va l'arrêter net. En tout cas, enfin, ça va pas l'arrêter net, mais ça va l'arrêter en pleine course. Du coup, le mec va devoir appuyer sur sa touche de sprint pour resprinter. Et ça, c'est bien bien chiant, croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Mais voilà, premièrement, le ralentir, et ça, c'est super, super efficace, écoutez. C'est peut-être, on va dire, une des primordialités de la canne à pêche, tout simplement. Ensuite, le déstabiliser. Faut savoir que quand moi je suis en plein combo et que quelqu'un me met un coup de canne à pêche, bah écoutez, d'un coup je suis déstabilisé, je sais plus trop où je vais. C'est-à-dire que, imaginons, je fonce sur un mec, le mec me met le coup de canne à pêche, moi j'étais prêt à le taper. Le mec, le temps que je me prenne la canne à pêche, a le temps de partir quelque part d'autre, ou même a le temps de comment dire, de sortir du champ de vision de mon viseur. C'est-à-dire que voilà, imaginons, je lui donne un coup, ben voilà, le mec lui met un coup de canne à pêche, donc écoutez, je redonne un coup, mais comme du coup le mec aura bougé le temps que je reçois le coup de canne à pêche, du coup ça va tout simplement me déstabiliser, et donc je taperai dans le vide au lieu de taper sur le mec. Et ça, c'est très 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 important de savoir le gérer, encore une fois, tout simplement. Ensuite, bloquer les combos. Donc encore une fois, comme je viens de le dire, imaginons le mec vous combo, bah écoutez, hop là, 2 petits coups de canne à pêche, vous reculez un peu en attendant, et puis écoutez, ça bloque complètement son combo, et vous, vous avez le temps tout simplement de repartir pour un meilleur combo et foncer sur lui pour justement le comboter à sa place, tout simplement. Ensuite, encore une fois, fuir. Donc imaginez, voilà, il vous reste 2-3 coeurs, l'autre mec en face de vous, peut-être quoi, il lui reste, on va dire, 8-7 coeurs, imaginons. Et bien écoutez, vous voulez fuir pour régène, tout simplement vous courez, vous retournez quelques fois de temps en temps, et vous mettez des petits coups de canne à pêche, ça suffira largement. En plus, le mec, ça va le saouler, clairement, je vous dis, ça va le saouler. Donc après, il risque de rager, machin et tout, mais c'est encore, on s'en fout, c'est la win qui compte, tout simplement. Donc voilà, le temps que, ben justement, pour vous aider à fuir, vous vous retournez, vous mettez 2-3 coups de canne à pêche, et écoutez, ça vous aide à fuir carrément, complètement, on va dire, et puis, ben, moi, ça m'a déjà sauvé plusieurs fois, donc ça, c'est super cool. Et ensuite, enchaîner des combos. Donc ça, pour moi, c'est peut-être, on va dire, le critère principal dans tout ça, des 5 quoi, parce que justement ça permet de mettre des combos de malade. Demandez à Docker, demandez à n'importe qui, mais voilà quoi, vraiment ça permet de mettre des combos de malade, parce que vraiment quand je m'y mets à spammer la canne à pêche avec mes combos, je mets des combos de ouf, sans déconner, enfin vous allez voir en image je pense, mais vraiment ça permet de mettre des combos de malade. C'est à dire que, imaginons, hop, 2-3 combos avec votre knockback, bah, du coup vous knockbackez l'adversaire loin loin loin, donc lui il aurait le temps de revenir pour vous comboter, sauf que comme du coup après vous spammez la canne à pêche, le mec n'attend rien faire, et donc vous revenez sur lui et vous recommencez un combo, et justement après ça fait un enchaînement de coups, mais le mec en prend plein la gueule, et voilà, après il comprend rien, et c'est à ce moment là que généralement les gens y ragent, tout simplement. Donc du coup voilà, du coup on résume encore une fois, donc ralentir, déstabiliser, bloquer l'adversaire, fuir et enchaîner les combos, très 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 important. Encore une fois, faites attention de ne pas trop spammer quand vous êtes en galère, parce que justement le fait de trop spammer, parce que moi généralement quand je suis en galère je commence à paniquer, donc je commence à spammer la canne, et justement c'est à cause de ça que des fois je meurs comme un con pour rien. Donc encore une fois, imaginons le mec est en train de vous comboter, ne spammez pas votre souris comme ça pour rien, ça ne servira clairement à rien. Donc voilà, clairement faut rester calme dans ce moment là, faut respirer, faut pas paniquer, parce que moi je panique, ça m'arrive souvent, hein. Du coup voilà, donc vraiment ne pas paniquer, ne pas spammer, et puis réfléchir où justement vous allez tirer votre canne à pêche pour justement essayer de le bloquer. Et encore une fois voilà, vraiment rester calme pour ne pas paniquer et pour pas faire de la merde. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a fait le tour un peu de toutes les utilisations pour moi de la canne à pêche. Encore une fois, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, ça m'aide
Carrément, et écoutez, bah, c'est comme une, entre guillemets, une sorte de récompense après le travail fourni. Enfin, même si c'est pas vraiment un gros travail, mais voilà, on va dire que la vidéo se fait pas non plus toute seule, donc c'est cool de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis écoutez, voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si écoutez, je vous intéresse tout simplement. Et puis voilà, et donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai appris quelque chose, et puis si écoutez, j'ai réussi à un petit peu à vous aider, à vous éclairer la voie sur la canne à pêche, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Donc du coup, moi je fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis je fais plein de bisous. Bye bye. You take me way up high, up in the sky, sitting on the clouds, watching planes fly by. I wouldn't mind never coming down, just wasting my time with you. With you. You take me way. Take me way up.